Bonjour à tous, bienvenue à bord du Tiare Moana. Aujourd'hui, petit épisode de cuisine. Je vais vous montrer comment préparer le poisson qu'on vient de pêcher. Chi! Je sais pas, je sais Ça tire, hein? C'est une carangue. Ah, c'est une carangue, non? Une carangue. Ouais. Attention, pas décrocher de l'heure. Chiii. Magnifique carangue voleur à la pointe. On va avoir un petit déjeuner et un dîner. Avec un tout petit leurre. Avec le petit leurre. Oui, petit leurre. Alors, c'est une petite recette que j'ai inventée, une petite marinade. Que je vais vous montrer tout de suite. On passe à la planche. Donc, pour cette recette, vous aurez besoin de gingembre, vous aurez besoin d'un beau citron vert, de sauce soja, d'un demi-oignon et bien sûr d'un beau filet de carangue. On peut mettre le citron de côté pour l'instant, un bon morceau de gingembre, on met de côté. On va commencer par éplucher et râper le gingembre. On va couper notre morceau en deux, puisque on va râper la moitié et couper en tout petit dés l'autre moitié. Hop, on a notre première moitié en dés et l'autre moitié, on va la râper. On peut se munir d'un saladier dans lequel nous allons mettre tous les ingrédients de la marinade. On va pouvoir couper l'oignon. Hop, on va pouvoir tout mettre dans le saladier en effritant un peu l'oignon pour pas qu'il reste collé. Voilà, ensuite on va pouvoir râper le gingembre. Pour cela, vous aurez besoin de ceci, une râpe à gingembre ou d'un écraseur tout simplement. Voilà, donc on mélange un peu nos ingrédients. Maintenant, on va pouvoir s'occuper du citron. On le roule un petit peu pour faire ressortir le jus. Trancher. Et on peut s'occuper maintenant du poisson. On a des beaux morceaux de chair blanche qui viennent tout droit du jardin. Je peux vous montrer l'état de mon potager en ce moment. On met le poisson dans le saladier. Donc ça c'est au feeling. Et voilà, notre marinade est prête. Donc là on va pouvoir mélanger un petit peu. Et on obtient ce magnifique mélange que l'on va déjà goûter. Puisque c'est un poisson qui se mange en sashimi aussi. C'est parfait. On va laisser tout ça reposer. En attendant, je vais vous montrer le dernier ingrédient, un ingrédient secret. Et donc, voici donc notre ingrédient secret, une bonne bière fraîche. À la santé de ce poisson et aux délices qu'il va nous apporter. On peut donc légèrement mettre dans notre recette de la bière aromatisée citron locale de Nouvelle-Calédonie, si ce n'est pas fabuleux. On regoute au cas où parce que c'est important. C'est super bon. Pour accompagner notre super poisson, on va se munir d'un avocat du jardin.
avec ça, on se fait une belle tartine. Hop, on a notre tartine bien grillée. Maintenant, on va venir disposer l'avocat dessus. On peut venir assaisonner avec un petit peu de citron, du poivre. Qu'on va gentiment disposer ici. En attendant le poisson. Et on va venir saisir le poisson, mais très rapidement. Le but, c'est vraiment pas de le cuire, c'est juste qu'il ait les bords des dés qui soient légèrement blancs. C'est comme ça qu'on obtient un super repas local. J'espère que cette vidéo vous a plu. Santé, et puis on se revoit au prochain poisson.